Bon, allô tout le monde. Longtemps que j'ai pas fait mon vlog, je teste ma caméra 360. Fait que là, qu'est-ce qu'on a pas là? On est en Thaïlande présentement. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va boire? Bon. Je vous présente pas sur le toit de mon hôtel qui s'appelle SK House 2 à Chiang Mai. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui pour vous? J'ai jamais fait ça. D'habitude, on va manger ça. C'est des grillons. J'ai jamais mangé des gros grillons. Vous allez voir, là, ça, c'est des petits grillons. Mais j'en ai un plus gros. Ça, c'est des petits gros. Vous allez voir la grosseur. Ça, c'est la grosseur. Pas super. Hein? On voit. C'est des lasers. Ça, c'est facile à manger. J'en ai déjà mangé, ça. C'est petit, tout. Mais cette fois-ci, je me suis surpassé. J'ai acheté des plus gros. Ça, c'est encore des sauterelles. Mais ça dépasse. Qu'est-ce que j'ai de manger? C'est des fucking huge. Hein? Ça, fucking huge. Ok, là, j'en ai une coupe. Je vais en manger une. Hein? Je vais mettre là pour vous autres, là, pour que vous voyez la grosseur de tout ça. J'en ai marre. C'est 50 sous chaque. Donc, je vais commencer doucement. Hein? Je vais commencer par le petit. Parce que même moi, avec ça, cette affaire grosseur-là, il faut que je me prépare mentalement. On dirait des cigales, mais je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est d'autres animaux, là, mais. Bière. Une singha. D'autres sauterelles. Ça goûte. Pour ceux qui se demandent si ça goûte quoi, ça goûte. Là, ils ont assaisonné ça de sauce soya, de sel. Ça goûte un peu comme si tu mangeais de la paille. La paille, c'est la même chose. C'est croustillant. Je sais pas si oui. Ça, c'est des grillons. Ça goûte à peu près toute la même chose. Ben, plus ou moins la même chose, mais comme les laves, c'est ça. Les laves, c'est plus croustillant. Ça goûte comme. Ben, ça, c'est des œufs. J'adore ça. Mais pour ça, je suis pas sûr encore. Ça, c'est les grosses. Encore. Il y en a qui trouvent ça dégueulasse, mais moi, à mon avis, c'est mental. C'est plus mental que d'autres choses. Faut bien astiquer parce que à cause des pattes, je veux pas que ça pogne sa gorge, dans la gorge. Puis la bière toujours pour faire passer. Et maintenant, prendre le gros. Hein?
pas sûr si je vais manger par la tête ou pas. La queue, la tête, on prend une bière avant. Right. Ouais, pas évident. Ouais. Vous voyez, même moi, j'ai de la misère. Tellement, j'en ai-tu un plus petit? Et c'est toute la même grosseur. Ok, let's go! Ouais. Comme je vous dis, ça goûte comme si c'était de la paille. C'est vraiment plus dégueulasse. Ça ressemble à une cigale, là. On m'a dit mentalement c'est une cigale, mais c'est peut-être d'autres choses. Disons que ça goûte plus la paille que d'autres choses. Ben celle-là, là, pas trop bon. Mais les autres sont très bons. Ça, c'est peut-être trop gros, c'est comme... Je sais pas. Ok. Ouais. C'est dégueulasse, by the way. Et c'est mental. Là, je vais me dessaisir en mangeant mes frères préférés, des laves. Ah, il est bien. Que demain, on s'en va à Chiang Rai, voir le temple blanc. Aujourd'hui, j'ai fait de l'éléphant. Je vous conseille, si vous venez à Chiang Mai, c'est Metang Elephant Park. Il y a tout le setting. Ça fait deux fois que je vais. Ça fait Chiang Mai. La dernière fois que je suis venu, ça date de 9 ans, 2008. Que 9 ans, jour pour jour, j'étais ici. Que j'ai refait la même chose que j'ai fait il y a 9 ans, mais avec mes petites nièces. Demain, Chiang Rai, on se reparle. Bye.